Il serait bien difficile de donner en détail l'origine du choral Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse cathédrale du Cependant, il nous est important de savoir son existence actuelle, vu ce premier clip qu'il nous offre. Avant, à la cathédrale Saint-Vincent-de-Paul de Toulliard, on l'appelait groupe liturgique et il avait une grande renommée à cause de son animation durant la messe du dimanche ou les grands jours, les fêtes comme Pâques, Noël, etc. Actuellement, il a pris le nom du choral Saint-Vincent-de-Paul en remplaçant l'ex-groupe liturgique. Il a pour occupation d'animer la liturgie pendant la messe du dimanche ou les grands jours des fêtes, Pâques, Noël ou même et surtout pendant la fête de la paroisse. Il est toujours en collaboration étroite avec les autres groupes chorales existants à Toulliard, à noter chorale Louvre, paroisse Bethany, Capelaoun ou autres. Ses membres sont composés de jeunes issus des différents quartiers de la paroisse cathédrale et ceux des mouvements spirituels, EFT, Scout, Tampikri, etc. Toutes les périodes de cérémonies religieuses. Aussi, il contribue à une bonne éducation des jeunes pour aider à épanouir leur talent de louange du Seigneur. Il
aussi noter que ce choral donne intérêt aux jeunes pour ne pas être influencés par les drogues, l'alcool ou l'oisiveté, quelle que soit sa forme. L'effort pour réaliser ce clip a été favorisé par la collaboration du choral Saint-Vincent de Paul et le curé de la paroisse. On a mis 3 ans pour étudier et concevoir ce clip qui arrive à terme actuellement. Mi fa in genà, avuta ci lena sarampana.